Je dirais le respect et qu'on doit tous bien s'entendre entre nous pour pouvoir vivre ensemble. La laïcité, l'égalité de tout le monde. Il n'y a pas de différence entre les personnes, on est tous égaux. Enfin voilà, les trucs fondamentaux quoi, de notre société. Le savoir-vivre ensemble, parce que sans ça, chaque élève ne serait pas dans les conditions aptes pour travailler. Comme on l'a dit, le respect c'est important parce que ça permet de se sentir bien, il y a aussi une liberté où voilà, on peut être, devenir délégué, on peut s'investir. Et il y a aussi la laïcité, c'est important. Accepter que les autres soient différents de nous et respecter le fait qu'ils soient différents et leur différence. Accepter aussi de les aider si nous on peut et qu'eux ont des difficultés. Si on sent que les autres nous respectent, on aura plus envie de les respecter. C'est une valeur qui entraîne un cercle vertueux. Plus il y aura de respect, mieux on se sentira. On a besoin du respect pour tous vivre ensemble. Enfin, c'est respecter les autres, c'est faire attention à ce qu'on dit, nos erreurs, tout ça. Enfin, pour vivre avec les autres, il faut respecter, quoi. S'il n'y avait pas le respect, tout le monde ne se respecterait pas, donc il y aurait des injustices et les gens ne seraient pas bien dans leur école. S'il y a des altercations ou des problèmes, on doit régler ça par respect et non pas par violence, comme ça arrive énormément de fois. Pour moi, c'est prendre des responsabilités, pouvoir mener sa classe, régler les problèmes de chacun, pour que chacun se sente à sa place. Envers la classe, ouais, c'est une forme d'engagement. C'est de les représenter lors des conseils de classe, par exemple, devant les profs, de pouvoir les défendre s'ils en ont besoin, et d'être le porte-parole de la classe, en quelque sorte. Ouais. Je pense que c'est important parce que ça permet, ça permet de se sentir bien, de se dire qu'on participe à la vie du lycée et que... Comme ça, on peut faire bouger des choses et c'est tous ensemble, ça nous permet de... C'est la vie en société aussi. S'engager, par exemple, dans le lycée, ça peut prendre différentes formes, que ce soit se faire élire en tant que délégué ou être élu au conseil de la vie lycéenne. Ça peut être aussi faire partie du conseil d'administration d'une association. Pas tout ce qu'on a, mais aider le plus possible pour qu'on arrive à faire ce qu'on voulait faire. Donc on s'engage à tenir cette promesse qu'on a faite. Faut accepter tout le monde, faut accepter que quelqu'un ait d'autres avis que toi, d'autres idées. Et voilà, la France pour moi c'est le pays de la liberté d'expression, la liberté de penser. Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Pour moi c'est la neutralité religieuse, c'est le fait qu'il n'y ait pas de religion, que la religion n'intervienne pas dans tout ce qu'on fait, dans nos actes. La laïcité, ça ne veut pas dire qu'on ne tolère pas une religion. Il faut que toutes les religions aient leur place, mais en respectant les règles de la République, qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité.